Juge instructeur Ramon Tit Axi mette fait ou bien li fait sous dossier Petro Caribéa continuer provoquer réaction dans classe politique là avec la société civile là. Un reportage Renan Toussaint de Port-au-Prince. Après juge instructeur Ramon Tit Axi mette fin publié semaine passée yon ordonnance qui blanchit plusieurs entreprises qui tap exécuté projet avec l'agent Petro Caribéa en pile leader politique ak société civile là, y compris avocat cap défendre dossier ça dit y rejeté ordonnance. Nous allons attaquer cette ordonnance par devant la cour d'appel de Port-au-Prince et cour d'appel pral gain pour le dire le mot du doigt au moment opportun. Non pas ti moun petit, nous t'ai toujours connaît. Tout autant Jovenel Moïse sous pouvoir pour ces Petro-Caribé pas jamais fait. Maître André Michel qui dit li pral aller en appel contre ordonnance ça qui mandé tout pour que banque yo débloqué compte bancaire yo ensemble entreprise comme quoi yo t'ai bien dépensé l'argent qui t'est dans main yo dans quatre exécutions yon série projet à Cob Petro-Caribéen environ 4.2 milliards de dollars américains comme ça yon porte-parole organisation Petro Challenges nous pas complice Jonathan Renoir qualifié ordonnance ça comme mascarade. Nous même nous pas complice, ça va faire ni chaud ni fret. N'a pas dit Petro dilapidateur, c'est bien compté mal calculé parce que là on pensait que c'est moment pour boire champagne et c'est pas moment pour boire champagne là, c'est moment pour plus mettre en cavale parce que la justice a bien besoin. Là pour plus mettre disponible parce que la justice a bien besoin et population haïtienne n'a pas négocier pour ces Petro Caribé pour pièce que ce soit. Yon leader politique maître Wilson Joseph qui c'est président parti politique Mouvement Jeunesse pour refonder Haïti, MJRA dit faut quand même gagne un procès sous utilisation l'agent Petro Caribé. Nous pour procès a fait. Ça veut dire que moi-même avec ou qui dans l'État, l'IFMR, l'État, tout le monde s'est passé dans passé là-dedans. Mais nous avons des vrais citoyens qui peuvent connaître comment pour faire et ça aurait les questions Petro Caribé. Comme je dis à nous, la justice presque dysfonctionnelle dans le moment ça, c'est qu'on s'attaque tout. Banco de Pal, Joseph Domingue Ogela, qui c'est coordonnateur général Conseil national Société civile haïtienne, n'en fait qu'on est, eh bien, faut qu'il y ait lumière qui fait quand même sous utilisation l'agent Petro Caribé. Société a une responsabilité pour chercher toute vérité sous question Petro Caribé. Pas seulement sur ça, mais sous un pile crime financier qui fait dans le pays déjà. Depuis dans CIRH, pour arriver dans Petro Caribé, fonctionnaire ou bien entreprise dans le pays d'Haïti pour un malin plaisir, pour y gagoter tout ça que tu as dû vivre pour le peuple. La société n'a pas qu'à accepter genre de comportement ça. Même pas quoi tout. Là, n'a pas parlé de système qui pour chavirer système de justice là qui est panier. N'a rappelé que tu as plusieurs manifestations qui déroulaient l'année passée à travers le pays d'Haïti pour demander côte côte Petro Caribé. Mais juste à présent, dossier ça a traîné dans la cour cassation côté avocat plaignant qui récusé juge instructeur Ramon Tit Axi Mé. Malgré ça, li soti yon dernier ordonnance. Renan Toussaint, pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint pour reportage ça. N'a pas rappelé que yon groupe Petro Challenger, eh ben, y a participé dans yon sitting devant ministère de la Justice, mardi 29 août là, contre décision juge là. Avocat appelé yon, m'a rappelé déjà injecté appel contre décision juge là, yon dit, qui pas fondé. Jonathan Renoir, porte-parole groupe Petro Challenger, non pas complice, a réagi sous dossier Petro Caribé. C'est avec une grande détonation que nous apprenons et décision, ordonnance, juge Ramon Tit Axi Mé prend dans le cadre dossier Petro Caribé, là que nous te connaissons ensemble avocats et plaignants et ensemble organisation dans la société civile, tant que nous pas complice, te demandé pour que le juge là et déporter le sous-dossier. Et là que nous connaissons que le mandat juge là est fini l'année dernière, ça vient faire que nous, ouais, c'est une décision que le juge là prend pour satisfaire caprice et monsieur et dame qui sont sous pouvoir, satisfaire caprice
et Zamili qui sous pouvoir journée jodia et nous connaît que objectif juge là c'est pour que li bouillé question de ces Petro Caribéa mais dans nous même dans nous pas complices ça va faire ni chaud ni fret n'a dit Petro dilapidateur c'est bien compté mal calculé parce que les ont pensé que c'est moment pour boire champagne et c'est pas moment pour boire champagne là c'est moment pour plus météo et en cavale parce que la justice a bien besoin la pour plus météo disponible parce que la justice a bien besoin et population haïtienne n'a pas négocier et pour ces Petro Caribé li pour pièce que ce soit et nous comprenons ça qu'a fait journée aujourd'hui c'est vrai que nous avons une justice qui pas indépendante et c'est un seul pouvoir nous gagne la cap gérer tout ça qui gagne dans le pays là mais si c'est faute une justice qui pas indépendante si nous avons une justice qui est indépendante côté que même que pour président même que premier ministre pas ta vle nous avancer fait sur un dossier mais justice ministre justice là lui-même s'il non institution dans tête une institution qui est indépendante il t'a avancé avec dossier et société à population t'a senti que gon avancé qui fait dans dossier mais n'a dit population rete tête frette rete vigilant et bataille pour une justice sous procès Petro Caribé l'a fait quand même et nous même au niveau nous pas complices ensemble avec l'autre organisation que n'a travaillé de conseil nous pral tenter un action et par devant cour de cassation pour que nous casser décision et jugement Maxime prend et même gens que nous t'ai écrit monsieur Bernard Saint-Ville et plusieurs fois pour que il t'ai remplacé juge Ramon Sikaxime parce que nous t'ai connaît que mandat juge a été fini mais ça qui pas de fait nous connaît dans système judiciaire là qui problème qui est là-dedans qui valait tracas que nous a vivre dans système ça mais nous même n'a continuer bataille là et au plus haut niveau Jonathan Renoir, c'est porte-parole groupe Petro Challenger non pas complice qui t'a réagi après décision juge axi méprend pour les camper sur dossier Petro Caribé son instruction t'a mené sur dossier Petro Caribé en rappelant que programme ça ou attendre là ou bien ou suivre là la vienne jeune depuis studio 18 la Val d'Amérique là dans Washington DC et n'a continuer avec actualité pour nous dire que ancien sénateur Huil la Tortue lui-même il fait connaître que ordonnance juge instructeur à mon site Aximea ordonnance ça est nul et non avenue Ramon site normalement tu dois camper parce que mandat défini non seulement il était récusé mais mandat devine fini donc dans sens ça moi crois que ordonnance qui sorti a les nul et non avenu cependant moi féliciter avocat yo qui fait appel on connaît en matière de justice en Haïti c'est le double degré de juridiction c'est-à-dire que premier degré juridiction c'est la première instance deuxième là c'est un appel l'appel c'est le haut jugé de l'affaire donc c'est quand coup bagarre la recommencer et en appel l'appel est suspensif donc moi penser que juge là pas font bon travail du tout c'est malheureux et comme nous avons double degré de juridiction il fait appel donc dossier a lui recommencer dans premier étal et nous connaît que bataille là faut continuer faire pour tout le monde justement qui est impliqué dans le dossier ça il rend compte devant la justice nous considérer que acte ça que juge l'a posé a eh bien c'est pas un acte que nous a dit qu'il a pour rendre justice au contraire, son acte qui était là pour discréditer la justice. Et heureusement qu'il appelle. Et appel là pour remettre. Nous espérons que les honorables juges de la Cour d'appel, eux-mêmes, ils vont remettre le peuple haïtien en confiance. Nous avons salué tout le monde qui est aujourd'hui nous là, en bas live là, dans Facebook, en direct qui est avec nous et qui était avec nous. Tout à l'heure, allez nous taper bon grand point qui a dominé l'actualité. Nous remercions encore pour fidélité. Et pour comme ça, nous sur toutes les réseaux sociaux, sur Facebook, nous sur YouTube, nous sur Pangea, nous sur toutes les réseaux sociaux, qu'on capte toujours sur pour comme ça, même si c'est en différé, sur pas d'argent pour suivre avec nous en direct. Mais nous encourageons pour tout suivre avec nous en direct. N'a pas bloqué masse ou protéger, masse mais protéger, en nous mettant ensemble pour nous limiter propagation pandémie COVID-19 là. Masque moi protégé ou masque ou protégé moi en nous yon protégé l'autre en fait coucou rouge derrière coronavirus là qui continue à faire des gars dans monde là attention pas capon grand monde pas jouer mettre corps veiller corps
j'aime nous dire lui à mettre corvée corps c'est pour protéger tête tout sinon personne monde pas protéger le pour et bien abdou que l'église catholique renforcer mes barrières yo contre nouveau coronavirus là pour freiner propagation maladie en abdou que gang armé tout cap bataille tout dans sud capitale là bio forcer l'église catholique fermer au moins deux paroisses yo gain dans zone ou qui baille dans sous zone ça un leader yon lide sou koman sa te nan yon meske paroisse Université Notre-Dame te Immaculée Conception te celebre avec correspondant nou Florence Lisney. Nan paroisse Université Notre-Dame Immaculée Conception, an pi l'accent mette sou respect mezi barye yo pou frene kous nouvo coronavirus la epi evite maladi a ga ekol nan mitan fidèl yo. D'après Père Franzi Petit Homme, yo renforcé diverses dispositions yo te prend depuis dans les maladies ça te rentré dans pays a dans occasion li reprendre force là. Pour moun vini là faut gagner masque. Hein? L'église là dans l'ensemble bon capacité de 1600 personnes, c'est 160 moun seulement nous mettons dans l'église là les la messe. Et on va capable regarder dans des images comment moun yo chita avec des distances de 1,50 m qui respectaient en tout sens. L'on va arriver gagner et des infirmières, en fait, gagner agent de sécurité d'abord qui contrôle, garder température, qui dit aux températures. Température n'a pas de dépasser 37,5. Et là, elle finit gagner des dispositions qui font pour tout le monde bien laver, mais avec savon. L'on finit une infirmière qui est là sur place, qui contrôle la saturation chaque monde. Et dit garder qui taux d'oxygène, moun n'a gagné ensemble. Et expliquer moun yo ça que ça pas de pi bas que 94. Si il est comme ça, nous obligeons de faire un chita, si la majesté le souffle. Mais si il est permanent, s'il continue comme ça, et nous fait maintenant retourner et la caille. Yon série, mais si, fidèle bien accueilli, si nous avons évité bon Dieu. Et étonnamment, tout le monde collabore à ça. Ça montre nous que, des fois, on dit que le peuple haïtien est un petit genre réticent. Mais depuis comme si nous parlions avec nous, nous comprenons le porte de la vie. Même exemple, nous avons eu un paroisse là. Nous sommes capables de faire un exemple là. Toutefois, action n'est pas chita seulement au niveau de l'église là. Congrégation qui croit dans la mission sociale de l'église là, met quoi au dehors pour faire sensibilisation bon côté population. En plus de cela, paroisse là prend disposition, soit dans toute la rue, pour avoir des banderoles qui écrit des courtoisies de passeport universitaire avec des messages pour être capable de sensibiliser les gens sur le problème corona. Et puis pendant toute semaine, nous avons mis un mobile qui a dans tout marché, qui est dans la zone publique, qui fait longtemps, qui a passé des messages pour être capable d'encourager les gens à faire effort. Et c'est des jeunes qui préparent les messages. Et pour ceux-là qui peuvent croire dans l'existence de maladie, axi là qui mettent sous côté mes barrières, Père Petit Homme, rappelez-vous, mon yo perdit dans niveau l'église là. Non, même au niveau de l'église, il y a un évêque et trois prêtres qui mourent à partir de problèmes respiratoires. C'est dit, il est de fortes chances, car il y a 18% de chance voire plus, que base mortalité ça, c'est corona. Et c'est presque toute couche de la société qui a un monde de près de l'autre qui est frappé par l'épidémie. Ce bagage concret lié, mon yo. Ils ont mouru par pour même raison, problème respiratoire. Donc, ça, c'est Corona qui est en grande partie à la base. Donc, on a dit, peu pas ici un peu, pas de raison pour nous être Dieu. Pas de raison pour monter en bus ou monter en camionnette pour gagner 24 monde et dans une petite camionnette et pour personne pas avoir un masque. Deux dignités de l'église catholique mourir dans gros frappe à COVID-19 l'an en mois juin 2021. Monseigneur Ducan Jean Sylvain, évêque auxiliaire pour le prince l'an, 8 juin, et Père Mathieu Monterlan, qui était directeur Caritas dans le département sud-là, responsable dans le diocèse au Kaela, 18 juin. Florence Lisney Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Donc, si ce fanatique football va suivre actuellement et Euro 2021, et bien, Nabdou que la France fait égaliser là avec la Suisse. La Suisse est dominée, premier parti en contre là, 1-0. Et bien, monsieur Suisse raton pénalité là, que je vais acheter ballon dans mes gardiens, mais quand même, dans la même direction que gardien plongé, c'est tout que ballon là. Et bien, Français fait égaliser là, donc, match à
1-1 et nous rappelons que match était joué avant gagné équipe et Espagnol mes amis qui tout pisi et Kwasi avec une victoire 5-3 après match ça il était allé en prolongation et pays d'Haïti sous troisième semaine ni depuis l'a fait face avec une crise carburant sans pareil autorité au lieu crise ça avec phénomène insécurité un leader dans société civile là Joseph Domingue Orjela plaider en faveur installation yon réserve gaz dans chaque département géographique pays a pour corriger situation. Comment ka fait gros pays seul dix réserve pétrolière gagne dans zone métropolitaine. Pour qui ça chaque grande région yo pas gagne une réserve. Ça veut dire que un problème insécurité côté Matissan c'est deal pour l'état fait pour le traverser. Avec tant que gazio vareux c'est même problème non bataille fait que livraison pas ka fait parce que c'est pas gaz qui pas gagné dans terminal yo. Mais livraison pas ka fait à cause l'état pas ka prendre responsabilité pour assurer sécurité population ça vinn bay en pile problème bataille qui gagné pour livrer pour les gaz arriver dans pompe cous camionnette qui augmenté et la vie qui vient, pour la vie à venir augmenter tout. Parce que produit ça, son produit transversal. Tout ça va faire besoin. Et là, nous dit, dans chaque crise, faut autorité, faut nation, faut monde qui ait responsabilité, ta saisi opportunité qui dans crise, parce que pas jamais une crise sans opportunité. C'est pour nous ta profiter de crise ça, pour effectivement, moun qui n'a fait business dans grand nord pour yo gagner en réserve qui dans grand nord moun qui dans grand sud pour gagner en réserve dans grand sud nous ka fèl an nous montrer nous éclairer an nous montrer nous comprendre an nous montrer nous voulez faire pays an nous gagner réserve dans chaque zone ça yo qui ka permettre effectivement décongestionner Port-au-Prince et qui ka fait effectivement moun yo joine service ça qui c'est service pétrolier côté gen un pile bagay qui bloqué actuellement là à cause de livraison gaz qui pas ka fait et bien